Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à Maison du Monde de Saint-Maximin. Je vais faire un tour du côté de ce qui reste du magasin, c'est-à-dire il y a des décos murales, on a des fauteuils ici, on a pas mal de choix en fauteuil, on a des miroirs, des horloges. Je voulais vous montrer ce modèle-là, c'est le modèle qui s'appelle Dorchester. À 450 €, ils avaient sorti des chaises en fait dans le même esprit, impossible de tomber dessus. Alors ils sont peut-être sur leur site, mais en tout cas en magasin je les ai pas vus, en tout cas dans celui-ci. Je vous laisse regarder les modèles. S'il y a des modèles qui retiennent votre attention, n'hésitez pas à me le demander et je vous donnerai les informations. On a celui-là qui rappelle un canapé que je vous ai montré, un Chesterfield, à 299 €. Alors on a ici pas mal d'articles. Je vais vous montrer les housses de coussins, 22,99 €. On a ce modèle là. Il n'y a pas le prix. Alors là on arrive dans tout ce qui est luminaire, donc il y a plein de choix. Je vais vous montrer quelques modèles parce que je ne peux pas tout vous montrer. Cette lampe de table, si vous aimez bien ce style, à 79,99 €, elle est en doré avec deux ampoules. On a celle-ci, alors là on est dans tout ce qui est doré, 62,50 € celle-ci. Celle-là elle est à combien? 149,90 €. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 ampoules. Ici on a cette lampe de table, c'est un modèle qui s'appelle Janice, 129,90 € hein, sous forme de globe. Cette partie est en verre et le support est en marbre blanc. Alors on a des grandes suspensions hein, qui vous paraissent pas grandes à la télé, mais elles sont très très grandes. Celle-ci à 129 €, c'est du rose gold. Je ne sais pas si je vais réussir à vous donner le prix de celui-là. Mais celui-ci, c'est un chandelier, une grande suspension. Non, je n'ai pas le prix. Je regarderai sur le net et puis je vous mettrai les informations. Elle est aussi originale celle-là. Une suspension en métal. 239 €, structure en métal avec plein d'ampoules. Ça c'est simple mais joli, 119 €. La structure est en métal, je vais zoomer hein, pour que vous puissiez voir les petits détails, les finitions surtout. Alors ça c'est une suspension, alors je vais vous montrer de l'angle pour que vous puissiez voir ce que ça donne. En fait la suspension elle est là et attendez, voilà, on a plein d'ampoules en fait dans des cercles en métal doré. Alors on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y a 6 cordons avec ampoules dans un cercle doré en métal. Et celle-ci elle est à 229. On a celle-ci en rose gold. Je regarde si je vois le prix quelque part, mais je vois pas. C'est nouveau ça, j'avais pas vu la dernière fois ce fauteuil. Alors il est en métal et en cuir à 599 €. Montrer la structure, elle est en métal. Couleur argentée. On arrive ici vers les plaids. Alors on a plein de plaids ici, on a des plaids fourrure à 159 € il me semble. Voilà, on les a en blanc, on les a en rose, on les a de quelle couleur? En gris également. Au niveau des dimensions, ...150 sur 180. Alors ici on a des plaids tricot également.
Je dis tricot, mais c'est des plaids maille, grosse maille. Et celui-ci fait 130 sur 160 à 99 euros. 99, 99. Alors, en plaid fourrure, on a également celui-ci. Celui-ci a des petits détails, c'est qu'il y a des petits poils à l'intérieur argentés. Je vais regarder si au niveau du prix ça change. 119, 150 sur 180. Alors là, on arrive devant un miroir. Alors j'essaie de vous le montrer entier, mais c'est pas évident. Alors c'est vraiment le genre de miroir que je recherche. Enfin, il y a un petit truc qui ne va pas. C'est pour ça que je crois qu'il n'est pas assez large au niveau de la largeur. J'aurais voulu un peu plus large. Mais sinon, la structure, c'est vraiment nickel. Hein. Je cherche vraiment ce genre de miroir dans ma chambre. Et je vais vous donner le prix. Alors j'ai pas trouvé le prix. Il n'y a pas du tout le prix. Alors je vais regarder, hein. Je vais continuer. Peut-être que je vais le voir en présentation ailleurs. Mais en tout cas, il est très joli. Alors il y a pas mal de miroirs que je vous ai déjà montrés. Hein. Miroir un peu style comme ça, classique à 139,90€. On a celui-là. Alors le miroir, hein, le long miroir que je vous ai montré, hein, la structure, elle est exactement comme ça, ça fait des moulures. Celui-là, il est à 89,99€. Ça, c'est nouveau, je ne l'avais pas vu la dernière fois. Avec un contour en bois et ornement en métal. Je vais essayer de trouver le prix. Il est à 149,90€. Voilà, 149,90€. Alors, je vais vous bassiner un petit peu avec le miroir que je vous ai montré tout de là, juste avant, celui que je recherchais. La largeur que j'aimerais, en fait, c'est la même largeur que celle-ci. Celui-là, il est à 99,90€. Alors ça, c'est nouveau aussi, hein, du côté des miroirs. Ce grand miroir avec une structure en bois à 169,90€. Voilà, il fait 1m10. Sinon, on a celui-là. Il est à 169,90€. Il y a des petites nouveautés, hein. Ici on a cette coiffeuse à 299€ en bois avec un petit tiroir, miroir intégré. On a ce banc ici que vous pouvez utiliser en coffre à 179€. Donc sachez qu'il existe en plusieurs coloris. Ici on a vraiment des belles choses. Alors dommage, il n'y a pas le prix de la tête de lit. Sinon, on a beaucoup de housses de coussins. Je vais essayer d'en retrouver. Hein. Ça doit être vendu en parure, hein, ça, il me semble. Alors, si vous devez refaire une salle de bain et puis que vous cherchez ce genre de meubles, regardez. Alors, 1290€. Vous montrer ces petites tables de chevet. 199€, il y a plusieurs tiroirs. Ah d'accord, je me disais c'est marqué deux tiroirs et j'en vois quatre. En fait c'est un tiroir, hein, ça. Alors là on a des coussins à 22,99€. Il y a des petites choses nouvelles, notamment cette tête de lit qui est en lin. Capitonnée 160 sur 200, elle est à 699€. Alors ici on a du choix, hein, dans les tables de cheveux, on en a une qui est total look miroir à 270€. Ça c'est super joli, c'est un bouti à mettre en bout de lit. Je vais voir si je trouve les dimensions et le prix. Alors le prix, 99,99€, et c'est du 200 par 100. Alors il y a du choix, hein, dans les boutiques, dans tout ce qui est coussin. 260 par 240, ce couvre-lit à 169€.
On l'a en vert, on l'a en vert plus foncé et on l'a en gris. On a même des coussins dans le même esprit. Ça, c'est pas mal. C'est pas comment on appelle ça. En fait, ça va vous permettre en fait, de faire une séparation. Hein, si vous voulez faire une séparation entre votre espace chambre, si vous avez votre dressing dans votre chambre, ou tout simplement, vous en mettez deux. Vous avez une jolie tête de lit originale. Alors, je regarde en même temps si je trouve le prix, mais je l'ai vu hein, dans un autre... rayon, donc je vais continuer. Dès que je le vois, je vous donnerai le prix. Alors, dans ma première vidéo, hein, pour celles qui ont vu, je vous ai présenté quelques décos murales. Donc, vous étiez nombreuses à me demander des décos murales. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On a celle-ci qui est très grande, dorée. Par contre, je n'ai pas le prix. Hop, non, il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de prix dans celle-là. Bon, en tout cas, elle est sympa. Métal, des grands cercles moyens, petits. Elle est pas mal aussi, hein, cette toile. C'est une toile qui fait 34,99€. Celle-ci, hein, pas celle-là. Alors, celle qui est derrière, c'est une toile dans un cadre avec une structure en métal. Et elle est à 139,99€. Voilà, ma vidéo arrive à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.